tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour Stuck on You, l'épisode 7, c'est l'avant-dernier épisode. Je suis très content de l'avoir fait sur ma chaîne, même s'il n'a pas beaucoup de vues ce Boys Love et qui fonctionne pas beaucoup sur ma chaîne, mais moi franchement je l'adore. C'est tout bien, c'est tout adorable. Les deux acteurs, parce qu'ils sont que deux au final à jouer dedans, ils sont juste adorables et je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Reb a dit qu'il aimait, hein. JM et JM, bon, il a réagi un peu. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, moi, franchement, c'est vraiment un petit coup de cœur, ce Boys Love. J'aime beaucoup. Et j'adore leur relation. J'adore qu'ils soient. Du coup, finalement, ils ont appris à mieux se connaître. Et ça, c'est trop bien. Et voilà. Donc, on continue. C'est parti. On y va. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo. Je compte sur toi. Et nous, let's go. Allons-y. On a un petit récap. Et oui, on sait que maintenant, JM avait une copine avant. Ils allaient se marier. Et c'était compliqué pour lui. Il a vidé la chambre pour laisser à Reb la chambre. Et on va dire qu'ils se sont quand même pas mal rapprochés. Parce que, en effet, comme là, il y a eu le bisou. Et sans masque, voilà, ils se sont dit maintenant qui ils sont. Ils ont dormi ensemble et tout, donc c'était trop mignon, vraiment. Et JM a dit qu'il adorait cette relation-là, sans forcément mettre de nom à cette relation. Mais Reb, c'est un romantique, on le sait. Et Reb, ben, lui, il a des sentiments. Et Reb, ben, il est amoureux, et oui. Donc, compliqué. Mais regardez, on est le 10e jour, on approche de la fin du confinement. Allez, c'est parti. I think I love you. C'est ça. C'est ça. On va voir comment ça va réagir. J'espère bien le pomme, mais bon. On va voir. Oh, allez, on avance. Ben moi, j'aime beaucoup hein, ce boss-là, vraiment. Ah. Moment doon. Binigyan mo lang ako ng kape at nag-thank you ako. Anong right moment mo? Nagagalit. Hindi mo naman kailangan i-acknowledge yung sinabi ko. Je sais pas si y a un bon moment pour dire je t'aime. Nangaliw ka lang kasi araw-araw ba naman tayo magkasama eh. Like some weird Stockholm syndrome thing. Hindi mo naman ako kinidnap eh. So ano? Tago ko na lang ba to? Hindi ko na lang ba papansinin yung mga nararamdaman ko? Non, on ne peut pas ignorer ce qu'on ressent. It's been less than 2 weeks. Hindi ito fairy tale, okay? Totong buhay ito. Ano akala mo? That we'd fall in love in that short period of time just because we're stuck together? That's not how love works. We're here because we're in quarantine, okay? Pas ces sentiments. Not because I want you here. Ah, parce que je te veux ici. Peut-être qu'il s'est un petit peu trop précipité pour le dire, mais c'était plus fort que lui, je pense, Reb. Pourquoi le manque aussi? Sinabi na nga ng tao, nakumpanyin ko lang. Masa ka naman. Nalika ka lang. Akala mo mahal ka na. Oh, le pauvre. I love you. Eh oui. I love you again. C'est sûr que, on le sait, hein, c'est deux personnes différentes, hein, ça c'est clair. Et le passé de JM, ben ça n'aide pas. Wala lang. Parang kiss, wala lang. Who says that? Je pense qu'il a quand même de l'attachement.
Ça va être un petit peu mal à l'aise maintenant entre eux. J'espère pas. Hola, nakikita rin lang naman ako dito, di ba? Hindi naman yun yung gusto kong sabihin eh. Hindi ko alam, JM eh. Kasi lately parang mali ata yung mga basa ko sa kilos at galaw mo eh. Doon na lang muna ako sa personal space ko ah. Look, I'm not just someone I'm stuck in quarantine with, okay? Ano? Pero sa may... Tu aussi? Also my friend. Mga nabis. Talaga, ayaw kong isipin na wala akong pakilam sa well-being mo. I care about you. And I enjoy spending time with you. Pero... Look, ang ganda lang yun eh. Tos kilya. Sorry kung... Naparamdam ko sa'yo na pinaasa kita. Wow. Wala ka talagang nararamdaman. Kahit... Hindi lang. Reb, ay... What? Ano? Reb, I'm not ready. Je suis pas prêt. Il pense encore à son ex. Hein. Kahit anong relasyon. Et c'est pour ça qu'il va de mec en mec. Or any sort of relationship for that matter. Donc il se définit pas comme gay, hein. JM. Alors non, talaga kasi there was something there. I guess I was wrong. Natawa lang kasi ako, hindi ako makapaliwala na nag-love you ako agad. Pero... En même temps, JM, c'est vrai qu'il peut faire craquer, hein. S'il est beau, hein. Balik na lang tayo sa kanya-kanya nating personal space. Yung may schedule na lang yung lahat. And JM, pag nagkataon na nagkita tayo or nagkasabay, huwag na lang akong pansinin ah. Pretend ka na lang na hindi mo ako nakikita. Okay? Please? Compliqué ah. Okay, sige. Parce que Reb a des sentiments et c'est pour ça qu'il demande que y ait le moins de contact entre eux. Parce que sinon, ça sera trop dur pour lui et son petit cœur. Ça se comprend. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'ils sont enfermés quand même dans la même maison. Et je trouve beau. Vraiment, ce boys love, il est attachant. Ils sont tout mignons. J'aime beaucoup la personnalité de Reb. Et le passé de... JM me touche énormément. Quand on a appris qu'il avait plus de parents, qu'ils sont morts, que sa copine avec qui il allait se marier l'a trompé, tout ça. Oh, c'est sûr que c'est beau tout ça. Hein. Et on peut que. Moi je la passe de Reb, je craque. Avec tout ce qui s'est passé, forcément je craque. Enfin, j'aurais craqué tout de suite, hein. Mais bon. À jour 11, on approche de la fin. Hein. Parce qu'ils ont 15 jours, je crois, ensemble. Oh, bon. Asso. Jim, go ahead. Les pauvres. Eb. Ils ont dormi ensemble et tout, hein, en plus. Never mind, sorry. Les rêves, le moins d'interaction possible pour pas souffrir. Bah savoir, peut-être que JM va se rendre compte que finalement, eh ben, il a des sentiments. Ah ouais, on approche vraiment, vraiment là, hein, de la fin. En même temps, il reste plus qu'un épisode, donc, oui. Nagluto na ako ng lunch. Tinapi ko na rin yung breakfast mo. Kanina ka ba kasi hindi lumalabas dyan eh. Pinimulay ko na yung portion mo, ha? Kunin mo na lang sa table. Je sens que c'est dur. Eb? Il s'en va dormir. Shit. Tinog ko na.
Il fait semblant de dormir. Oh. Je trouve ça horrible en fait comme situation d'aimer quelqu'un. Ouais, c'est. Et voilà. C'est ok. Voilà là, dans mon moment là. C'est. Mon napasarap ka na dyan sa 14 day lockdown turned road to forever. 14 jours, donc il reste plus que 2 jours. Gusto ko na umuwi. Il veut partir. Oye, ano nangyari? Nakapagsulat ka pa nga ng bagong kanta, which I assume it's all about him. Taylor Swift. Wala yun. I-delete ko na yun. Baka makita pa niya. Wala naman true love. Baka nga tama si JM. Mas mabuti naman isa. Le vrai amour existe. Ang downer ha. Rinig mo ba yung sarili mo, sis? Hindi ikaw yan. Ang nega. Ang nega. Ouais, c'est vrai que d'habitude, il est plus positif. Hein. Ça, c'est clair. 14 days lang, like, I love you na ako. Hindi ko alam kung hopeless romantic lang ba ako or idealistic eh. Hopeless romantic. Il a écouté ses sentiments. C'est pour ça qu'il a dit je t'aime. Definitely. Dagdag mo na rin dyan yung optimistic. And alam mo sis, pwede mo rin naman panghawakan yung mga pinaniniwalaan mo while still managing to be realistic. Oh my God, ang galing ko! Wait. Romantic, idealistic, optimistic, realistic! Oy! Hindi na lang pala ito yung songwriter dito! Heme! Sis, first kiss ko siya. Sabi ko, hindi ko yung tamang tao eh. I wanted the moment to be special. Sis, special pa rin naman, di ba? Yung circumstances niyo hindi naman ordinary. Tsaka, sa totoo lang ha. C'est vrai que c'est spécial ha, comme histoire. Kaya, cheer up ka na sis. Huwag ka na mapaka-jaded, Diyos ko. O siya, sige, baka masunog yung niluluto ko. Bye! Bye. Mais il ne faut pas qu'il perde sa positivité, ça c'est clair, et de croire en l'amour. Il ne faut pas qu'il perde ça, parce que c'est ce qui fait aussi Reb. C'est voilà, c'est un rêveur, c'est un romantique. Oh mon Dieu, c'est demain. Oh, c'est le dernier jour là. Waouh. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur parce qu'après tout ce qu'ils ont partagé, tout ce qu'ils ont vécu tous les deux ensemble, et là, finalement, ça revient comme avant. Mince. Oh, mince. I'm just trying to help. Hindi mo ka nasa sumigaw. Trying to help? This is exactly the kind of thing that made me think we had the slightest bit of chance. Bro. Hey guys, ganyan ba? Ganyan ba ka desperado for love? Red, the whole day, dinrespeto ko lahat ng gusto mo. Hindi nga kita ginulo eh. Sinakyan ko pa yung mga trip mo. Even with the whole pretending you're not here bullshit. And here I'm just trying to be helpful. Tapos sasabihin mo sa akin, I'm actively trying to make you fall for me? Taka ka ba? Wow. Tanga. Di ko alam kung bakit ko pa naisip that I could ever have feelings for you. Isang araw na lang naman, JM, but I hope you don't mind. I don't ever want to speak to you again. Okay? Wow. Ça dure. La chanson. Oh là là. Il chante super bien, j'aime bien. Oh.
peut se quitter comme ça quand même. Après tout ce qu'ils ont vécu. You have got to be kidding me. Eh, bakit ka pa nandito? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Dapat kagabi pa ako. Pwede ba manimi ka muna? So ano ako, si Daniel, tapos ikaw si Katrin. Hindi tayo Katrin. Hindi tayo magjowa. At lalong wala tayong happy. Obviously, tinignan mo yung laman ng cabinet ko. At pinakilaman mo yung mga gamit ko. Yung mga gamit ko nakatago for a reason. Ay, yeah, yung labis. Tapos bukas sa umaga, hindi na maalala ni Mary. Hindi ko kita ulit. Ayaw ko itong base. Ano na? Kago na ako. Suis un crétin. Ils sont trop attachants en fait, hein. C'est ça. Et c'est bien parce qu'on a pris le temps à les connaître, on a pris le temps à les voir passer du temps ensemble. Et du coup, c'est... Je trouve ça un peu dur. I'm sorry, kasi nasaktan kita. Saktan. Pakasalanan ko naman. J'espère juste qu'ils vont pas se quitter comme ça. Parce que ça serait dommage, je trouve, et... Je trouve que ça serait pas bien de se quitter sur un froid et en disant des mots en plus assez durs parce que je veux jamais te parler, des choses comme ça, c'est compliqué, hein. Je rappelle que JM a dit de pas regarder dans... What? Je t'aime, mais... Je t'aime. Il a dit, hein, de pas regarder, hein. Ah... J'espère juste qu'il va pas arriver quand il regarde, parce que... Ben? Mince. Ben, okay ka lang? Mince. En plus, JM avait dit de pas toucher. Hein. C'est bien, on voit. Qu'est-ce qui s'est passé? I'm sorry. Tinry ko na magsubukan eh. Tinry kong ilaban. Pero hindi na kita kayang makita sa future ko. Plus amoureuse. Elle est avec quelqu'un d'autre. Ok, donc c'est bien ça. En fait, elle a trompé. Et elle est avec quelqu'un d'autre. Et du coup, elle est plus amoureuse de JM. Oui, là. Sorry. De toute façon, les ruptures, c'est toujours dur. Hein. Vraiment. Hein. Après, ils sont jeunes, donc tout de suite parler de mariage, tout ça, c'était peut-être un peu tôt. Faut attendre avant. Je pense qu'il faut vivre des expériences avant d'être sûr que de se marier avec une personne, je pense. Après, si on a trouvé la bonne, on a trouvé la bonne. Mais je pense que c'est bien aussi de vivre des expériences avant. Qu'être amoureuse de quelqu'un d'autre, en fait. Oh.
lui a rendu la bague, c'est ça? Ah, il a dû souffrir, JM. Du coup, c'est difficile de se remettre d'une séparation. Il faut du temps. Ne sois pas... Oh... Non, il a pas fait exprès. And here I was thinking na kailangan mag-apologize sa'yo for what I said earlier and how I treated you. Pero mukhang disagmo naman yata lahat yun eh. Mais il n'a pas fait exprès. Torek! You've done enough. Sorry. I'm sorry kasi hinahayaan pa kitang pag-stay nito sa bahay ko eh. Oh. Kung hinahayaan na lang kita tumambay doon sa barangay hall hanggang matapos ng putang ina lockdown to, sana I never had to deal with this shit. I don't need any of this drama. I don't need anyone in my life. I don't need you and your stupid feelings. Hindi mo sinasadya to build on my private things and break my stuff? Oh, c'est dur, hein? Ganun ba? Bigyan na lang nahulog yung box, ganun? You didn't mean to shove your feelings down my throat? And guilt trip me for not living up to the fantasies you made up in your head? Ganun ba? Hindi mo sinasadya lahat? Your love's kiss? What a joke. Don't worry, I'll make it sound good. C'est dur, hein? C'est pas comme une raison de sabine, ça. Comment on a un malik sa akin, JN? Comment on a un malik sa akin? Hinalikan mo ako. Walang pumilit sa'yo. I didn't need you to. Kasalanan mo lahat ng to eh. Nagsimula to lahat sa'yo. So don't blame me for having these stupid feelings since I'm allowed to feel upset. Kaya yung magiging nais mo, it's not just the fact na ginagawa mo siya, okay? Kung paano mo siya gawin? Or baka nga, I'm just reading too much into it, pero for your own sake, subukan mo rin kaya entertain niya ang sarili mo. You say one thing and you act the complete opposite. Jane, ganito. Ganito. C'est dur, hein? C'est pas non plus là, toi. Not your unrealistic perception of love, non? Tsaka baka nakakalimutan mo. Lasing tayo pareho. That kiss didn't mean anything. Wawa! Salamat! Salamat at ginising mo na rin ako sa katotohanan. You're so fucking hollow, JM! Can't love anyone, not even yourself, kasi wala naman naman yung puso mo kundi galit. And for once, I finally agree with you na may downside din itong magiging positive ko. Because I really thought that you could be more than just an angry person. That you could be capable of love. Kaya mali ako. Nothing but an empty shell of what Aaliyah left of you. C'est dur, hein. Il est super dur, je trouve. Genre là, c'était un peu dur. Oh. Bon, il nous reste plus qu'un épisode et puis après c'est terminé. Donc bon, le fait qu'il embrasse, alors je sais pas si c'est le trop plein d'émotions ou que il fallait que ça sorte. Waouh, ils m'ont mis des frissons. C'est, je suis pas, voilà, c'est comme ça. Bon, waouh. Bon, quel épisode, voilà, il en reste plus qu'un. Waouh. C'était émouvant, vraiment, encore.
Sacré Reb et sacré JM, moi je vous dis, hein, sacré eux. Bon, j'espère que voilà, vous avez passé un moment sympa en tout cas. Et puis ben, nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que le fait que, voilà, à la fin, ils se sont embrassés, c'est quand même, je sais pas, on verra hein, comment ça va se passer, s'ils vont regretter ou pas. Moi, je pense pas. Voilà, moi, je pense pas qu'ils vont regretter et que finalement, ouais, c'est plus fort qu'eux, ils ont des sentiments l'un pour l'autre, ça se voit. Et bon, on va voir. Ouf, bon, ça m'a tout retourné. Hein. Bon, plein de bisous, à bientôt, ciao, ciao, bisous.